C'est mort. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo très particulière. Je vous propose de vivre une expérience vidéoludique incroyable. Mais alors accrochez-vous bien parce que je vous le dis direct, vous n'êtes pas prêts. Surtout restez jusqu'à la fin, c'est très important car je vais vous montrer des choses que vous n'avez jamais vues dans aucune autre vidéo. Ouais, rien que ça. Et comme vous pouvez le voir, j'ai revêtu ma plus belle chemise. Je voulais vraiment donner un côté sérieux à cette présentation de vidéo. Ça fait un moment que j'attends le jeu que je vais vous présenter. Et vous écoutez ? Ça sent l'été, ça sent les vacances, ça sent les tropiques. Donc ce que je vous propose pour contraster ce côté sérieux, c'est qu'on se plonge tout de suite dans une ambiance tropicale digne des plus incroyables. Je vous propose aujourd'hui un petit verre couleur amazonienne. Ça ira parfaitement avec le jeu que je vais vous présenter. Mesdames et messieurs, bienvenue aujourd'hui dans Ark Park. C'est un truc de fou. Je l'attendais ce jeu, et bien le voilà enfin. Il est sorti tout juste aujourd'hui, à l'heure où je fais cette vidéo. Je viens tout juste de finir de le télécharger. J'ai tout juste fini le tutoriel. Il risque d'y avoir de la surprise, de la peur, peut-être même de l'émotion. Et donc là, on va pas se mentir, ça nous fait tout de suite penser à Jurassic Park. C'est un truc de malade. Par contre, je vous le dis dans le casque. Alors je sais très bien qu'à l'écran, vous voyez pas ce que je vois dans le casque, mais je vais tenter de vous donner mon ressenti du mieux que je peux. Je vous assure que dans le casque, les gens, c'est un truc de ouf. C'est super joli, c'est super beau, c'est super immersif. Comme tous les jeux Oculus, bien entendu, pour l'immersion. Mais là, on sent vraiment que c'est super soigné au niveau des graphismes et tout. Donc, on va monter dans le train. C'est comme le tuto. Voilà. Il faut aller là-bas. Ça, je l'ai fait dans le tutoriel. On va faire go. Et c'est parti. Welcome to Jurassic Park. Ou plutôt Jurassic Ark. Alors ça, je l'ai fait dans le tuto. Voilà, on va faire tout ça. Tac, tac, un petit voyage en train. En attendant, je vais vous faire une petite visite du train. Voilà, bienvenue, bonjour tout le monde. Et bienvenue dans mon train. J'ai un petit inventaire. Ah non, je peux pas l'ouvrir. Oh là là, regardez ça là, avec les petits dauphins de Ark et tout. Ça déchire. Alors faut savoir que moi personnellement, j'ai pas spécialement trop joué à Ark, le vrai jeu de survie, je veux dire. Mais alors là, dans Ark Park, c'est vraiment un truc de fou quoi. Je l'attendais avec l'Oculus sur la tête en plus. T'es vraiment immergé dans le truc. Tu t'y croirais là. Je suis dans le train là, mon vieux là. J'y suis. C'est un truc de fou, regardez ça. J'espère que vous voyez bien tout ce que je regarde. C'est juste magnifique, quoi. Alors, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, quand vous avez l'Oculus... bâtard. Putain. À chaque fois, quand vous avez l'Oculus Rift sur la tête, eh ben, si vous voulez, moi, j'ai vraiment une vision... comme en vrai, en fait. Comme si t'avais pas trop de casque, tu vois ce que je veux dire. Mais quand j'enregistre ce qui se passe à l'écran, c'est toujours un petit peu zoomé, on va dire. Voilà, vous voyez pas totalement. Donc va falloir beaucoup que je tourne la tête et tout pour tout vous montrer. C'est un truc de ouf. Et on est presque arrivé à notre point, regardez. Salut collègues. Voilà, impeccable, on est arrivé. Bon, et eh bien je crois que nous voilà arrivés à destination. Waouh, 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 waouh. Ça je vais me répéter, mais vraiment c'est super joli quoi. Regardez, rien que la devanture du truc là, du parc. Ark Park quoi, c'est magnifique. Bon, on va monter là-haut, ça je connais. Welcome tout Jurassic Ark. Ouais, ça déchire quoi. Voilà, petit tour du proprio très rapidement. On peut choper les dinosaures comme ça. Salut toi, comment vas-tu? Tiens, vas-y, va. Attaque. On dirait un petit peu des Pokémon. Tiens, vas-y, attaque. Celui-là, mon vieux, il est parti à l'ouest. Bon, ce que je vous propose, les gens, c'est qu'on se casse de là. Voilà, impeccable. Petit chargement. Ah, yes. Et là, les gens, je vous propose qu'on se plonge tout de suite dans le vif du sujet. Là, on commence à rentrer vraiment dans Ark. Vous voyez, la forêt et tout. Bon, là, on est encore dans le terrain d'entraînement. Alors, j'ai un petit inventaire. Eh ouais, mon gars. J'ai un petit flingue. Regardez ça. Il déchire. On va le poser là. J'ai un petit scanner. Donc ça, bien sûr, c'est pour scanner les abonnés. Voilà, là, je vous scanne. Âge 54 ans. Je préfère Roblox. Ah, t'as pas mis un petit like? Oui. Je l'ai scanné là, je l'ai vu. Voilà, j'en scanne un autre, très bien. Lui a mis son petit like. Ok, c'est parfait. Nickel. On a bien sûr la petite pioche, comme dans Ark, pour ramasser le bois et tout ça. Et on a notre petite main pour ramasser des feuillages et tout ce qui s'ensuit. Allez, on pose ça là. Voilà, donc l'inventaire est fait comme ça. Vous avez tout ça ici. Donc là, on va dans la petite toile de tente. Alors ici, si vous voulez, c'est là où va y avoir le système de craft. On a notre petit œuf qu'on va poser dans notre inventaire. Je vais vous montrer tout ça. Hein. Voilà, donc là, vous voyez qu'on peut faire par exemple une machette, un arc, on peut faire des flingues, fusils. En fait, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'on aille farmer des ressources, qu'on vienne à la table de craft.
qu'on dépose les ressources et après on va pouvoir fabriquer un truc par exemple. Bon après il y a d'autres trucs à débloquer, voyez, c'est plutôt cool tout ça. Bon, on se casse de là, on a pris notre œuf. Donc ce que je vous propose c'est qu'on aille tout de suite à l'incubateur. L'incubateur qui se trouve juste ici. Voilà, on va prendre notre œuf et on va le poser dans l'incubateur. Voilà, et il va nous faire un joli petit dinosaure, vous allez voir. Regardez. Oh, oh là là, un joli tricératops, il est tellement magnifique. Regardez, il est tout petit. Bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y ouvrir la porte. Voilà, on va le laisser un petit peu se balader en liberté, ce petit bonhomme. Hein? Ouh, mais il a déjà bien grandi, ma foi, dis donc. Parce que je sais que je peux y monter dessus, normalement. Voilà, je vais le laisser partir. Un beau pépère, ça, hein. Putain, il y a deux secondes, il était fin comme un gardon de bordel, là, non? J'ai l'impression qu'il grandit à vue d'œil, le machin. Il était tout petit, il y a deux secondes. Bah, regardez ça, il a grandi. Bah oui, effectivement, il a grandi à vue d'œil. Donc, je peux monter dessus, bien entendu. Je peux aller faire un tour de tricératops, c'est tout. Regardez ça, comment que ça déchire, quoi. Vas-y, Judge Jumper, galop là, galop, galop là. C'est juste magnifique et ça me fait beaucoup penser, attendez, je suis où là? Voilà, ça me fait beaucoup penser au jeu, un vieux jeu qu'il y avait sur Gamecube. C'était Pokémon Safari, un truc comme ça. En fait, si vous voulez, vous devez prendre des photos. Voilà, bah c'est pareil. Voilà, là, franchement, le jeu par contre, il est super beau quoi. Regardez ça. C'est quoi? C'est pas un petit raptor ça? Ça, il me semble que c'est un bronchiosaure. Donc ça, c'est des herbivores. Regardez, putain, la beauté du jeu quoi. Mais c'est tellement immersif, en plus c'est un truc de fou quoi. Oh là là. Oh. Yes. Waouh, joli quoi. Alors je vous le dis, forcément vous allez pas voir exactement ce que je vois dans le casque. Surtout qu'à chaque fois que t'enregistres un truc en VR, l'écran quand tu l'enregistres il est zoomé à mort. C'est à dire que là je vois super bien mes mains. Et là vous devez les voir très près de l'écran normalement. Bien sûr il y a un cycle jour et nuit hein. Il fait pas tout le temps nuit. Merde, c'est quoi ça? Ça y est, ma belle, tout doux, c'est fini, c'est fini. Voilà, on va s'arrêter par là. Et ce que je vous propose, c'est de partir dans une phase d'exploration. Donc, explore, on va aller explorer la mangrove. Et nous allons devoir ramasser tout ça dans cette phase d'exploration. Voilà, donc là, vraiment, on rentre dans la phase... Oh là 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 là, regardez ça, quoi. Et là, mon vieux, elle se met à courir, mon vieux. Je fais une crise cardiaque directe. Direct. Bonjour, on va aller voir les pères castors. Alors, va falloir que je ramasse ça, il me semble. Est-ce que ça se ramasse comme ça? Ouais, voilà. Impeccable. Donc, ça, c'est fait. On va en ramasser. Il y en a un autre ici. Il y a vraiment une phase comme ça, exploration. Il y a plusieurs phases, en fait. Putain, mon vieux, je me croirais un nain dans Blanche-Neige, quoi. C'est un truc de fou. Bon, écoutez, ce qu'on va faire. Viens là, toi. Voilà. Hein? Parce que l'autre, il est en train de bouffer. Mais son copain, bah il en a plus. Tiens. Tiens, mon titi. Tiens. Tiens. T'en veux pas? Tiens, je te le laisse là. Salopard, on va. En plus, il veut pas de ma bouffe. Bon, on va ramasser un petit peu de bois, les gens. Voilà. Un petit peu de bois, comme ça. C'est parfait. Donc, ce qu'on va faire également, c'est qu'on va ramasser un petit peu de berries. Voilà, ça se ramasse là-dedans. Regardez, on fait comme ça, là. Voilà, on fait un petit peu comme ça là. C'est pas mal parce que les ressources ils sont en vert, donc c'est cool. D'accord, là je vois qu'il y a plusieurs petits machins à ramasser. Ça, on push, on push, on push. Bâtard, bah on... Voilà. Eh bah dis donc, il y a du sacré beau monde, tiens. Hop, merde. Est-ce que vous le voyez? Attaque. Prends ça dans la gueule, mon vieux, tiens. Voilà. Vas-y, viens, je t'attends, viens. Viens, je... Attends, saloperie, va. Viens ici, toi. Vas-y, vas-y, vas-y. Attaque! Attaque-le, là. Bouffe-le, là. Regardez comment il est en train de faire le tour, là. Je l'ai pas scanné. Voilà. Ok. Donc là, on a ramassé déjà quelques trucs. Vous voyez qu'il y a encore quelques mondes qui sont bloqués. On va partir dans une battle. Voilà. On va rentrer. Hop, c'est parti. Voilà. Je vais vous expliquer. En fait, on a une tour derrière nous. Donc, ça, c'est ma petite libellule de compagnie. Et donc, lui, il répare la tour. Et moi, je vais devoir défoncer les dinos qui arrivent, là. Tout de suite, là. Alors là, qu'est-ce qui se passe là? Là, lui? Non, lui il a rien fait. Vas-y, je recharge. Attends, je suis où là? Parce que, voilà. Vas-y les gars, je vous attends là. Alors. Ok, headshot. Ouh. C'est bon. Alors, qu'est-ce qui se passe les gars? Je vois, il y a des bidons explosifs. Là, là, là. Il y en a un peu là-bas. On va se les garder au cas où il y a une grosse bestiole qui arrive. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Putain! Comment il faut
toutes les boules, ces enculés. Ah, désolé. J'ai dû vous péter les oreilles. Eh, mais laisse tomber, comment que ça fout les boules? Attends, regardez, je le vois. Vas-y, toi, t'es mort. Oh. Allez. Ah ah. Putain. Vas-y, tire. Wouh. Wow, laisse tomber. Eh, je vous jure, ça fout les boules, en vrai. Attends, t'as des dinosaures qui arrivent vers toi en courant. Je voudrais bien vous y voir, moi. Ok. Vas-y. Je t'ai mis un chat, quoi. Oh putain! Oh putain! Arrête de me choc là! Wow! Vas-y là! Ce stress, mon vieux! Laisse tomber, le stress c'est intense quoi! Ils sont où là? Où est-ce qu'ils sont les gars là? Ça arrive! J'ai plus de bidon explosif là-bas, j'en ai encore là! Oh, c'est quoi ça? Ouais, ils sont tellement énormes ceux-là! Vas-y, dégagez les gars, dégagez. Oh putain, ça arrive là-bas. Oh putain. Oh putain, vous passerez pas les gars. Il y en a un qui est passé. Ma tour, il est en train de la défoncer. Dégage. Ah. Dégage toi. C'est bon là. Putain, il est en train de défoncer ma tour. Oh putain! Ah non, j'arrête là les gars! C'est mort! C'est mort! La tête de moi, je suis désolé! Non, franchement, la vérité! Non, les araignées, je peux pas! Surtout avec le casque, je voudrais bien vous y voir. Attends, je vais voir comment que c'est fait à l'écran. Non, c'est mort. Laisse tomber, mon vieux, cette fragilité. Oh, je vous jure, moi, je suis un fragile. Franchement, avec les araignées, c'est mort. Et ceux qui font les malins, là, comme ça, là, vas-y, mettez le casque sur la tête, là. Venez, là, mettez le casque sur la tête. Là, je vous mets ça dans les mains. Vas-y, moi, je te balance des araignées dehors, comme ça, qui courent vers toi, je sais pas combien de kilomètres heure. Non, c'est trop chaud, les gars. C'est trop chaud, franchement. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. C'est un fail pour cette mission. C'est un fail, mais je pensais pas qu'ils allaient arriver comme ça. On se dit rendez-vous pour une prochaine vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like. Ça soutient, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner aussi si ce n'est pas fait. Venez me rejoindre sur les réseaux. On se dit à la prochaine. Ciao tout le monde, bye bye.